Bonjour et bienvenue dans notre série Les énigmes magiques ou comment amuser nos invités lors des repas ou à l'occasion d'un goûter. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une fourchette ou éventuellement d'une cuillère, d'un bout de ficelle d'environ 1 mètre que nous avons noué autour de notre fourchette, comme ceci. Et nous avons besoin d'utiliser un meuble. Par exemple, ici, une chaise. Si nous frappons la fourchette sur cette chaise, nous entendons bien évidemment le bruit d'une fourchette. Notre énigme est la suivante. Comment faire pour qu'en procédant de la même manière, nous n'entendions plus le bruit d'une fourchette, mais le bruit d'une grosse cloche? Saurez-vous trouver la réponse à cette énigme? Eh bien, pour pouvoir le faire, nous allons tout simplement nouer les deux bouts de la corde à nos deux index, respectivement. Par exemple, ici, je vais faire 4 tours autour de mon index de droite, puis 4 tours autour de mon index de gauche. Je vais alors placer mes deux index dans mes oreilles, puis procéder au même mouvement qui consiste à cogner la fourchette contre la chaise, comme ceci. Eh bien, le bruit de la fourchette dans mes oreilles aura celui d'une énorme cloche. Testez-le et vous le vérifierez. Étonnant, non ?